Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce nouveau week-end de novembre. Et pour bien poursuivre ce dernier et pour vous apporter un petit peu de chaleur dans vos foyers, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit Transformers, bien entendu, et plus précisément d'un Masterpiece, et encore plus précisément d'un K.O. Masterpiece. Donc, puisqu'il s'agit du K.O. Masterpiece MP10B, donc en hommage à Nemesis Prime. Donc tout de suite, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite un aperçu du packaging qui, comme vous pouvez le remarquer, est absolument impossible à identifier et neutre puisqu'il ne s'agit que d'un bout de carton. Voilà, donc mon petit Nemesis Prime se trouvait à l'intérieur. Alors bien entendu, comme c'est un chaos, et un chaos assez récent d'ailleurs, hein, je le dis tout de suite pour ceux qui seraient intéressés, il provient du site TF Direct, hein, c'est un réassort tout récent. Voilà, donc voici un peu à quoi ressemble donc l'emballage. La seule indication que nous avons est le petit B juste ici pour nous signaler qu'il s'agit de la version Nemesis, la version Black. Voilà, donc pour le packaging. Et voici, sans plus tarder, notre petite splendeur, tout de noir, de vert et de silver paré. Voilà. Superbe réalisation, hein, qui reprend, bien entendu, le moule du Masterpiece MP10 Optimus Prime. Voilà. Donc, dans sa version déclinée, Nemesis Prime. Donc, voilà un petit peu, donc, en ce qui concerne, comme je vous le disais, cette petite beauté absolue. Vraiment, il fait son effet. Alors la seule chose que moi je vais pouvoir reprocher tout de suite, et ce qui fait partie de mes principales complaintes, c'est que comme vous pouvez le constater, moi sur mes éléments silver, donc notamment les réservoirs d'essence et la calandre avant, voilà, j'ai malheureusement les parties silver qui sont entièrement griffées et un peu abîmées. Donc moi voilà, ça me contrarie un petit peu. J'aurais voulu avoir quelque chose de lisse, de net et de propre comme le MP10. Là, malheureusement, on a des traces de frottement. Donc, je pense que l'application du silver a été quelque peu bâclée. Mais sinon, voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre petit pépère Nemesis. Voilà. Une superbe pièce. Alors, je n'ai pas choisi la version avec la remorque, tout simplement parce que je n'avais pas envie de payer plus de 50 euros pour un bout de plastique vide, sachant que moi, en termes de display, les Transformers seront exposés surtout sont surtout exposés du moins en mode robot. Donc voilà, je n'ai pas opté pour la remorque par souci d'économie et tout simplement parce que voilà, je voulais simplement avoir la version Nemesis, donc juste la cabine. Voilà un petit peu. Donc en ce qui concerne les finitions, on retrouve vraiment du silver partout, hein, les cheminées. Les citernes, les jantes, tout le pourtour juste ici, la calandre, le pare-choc, le radiateur, les grilles. Nous avons également donc, je vais essayer de faire voilà, un petit focus. Nous avons également, tout comme pour Optimus, donc les rétroviseurs latéraux qui peuvent, voilà, s'aplatir, se fixer ou se libérer. Nous retrouvons de superbes vitres rouges, donc de toute beauté. Moi, j'aime beaucoup, qui habille vraiment de fort belle façon notre Némésis. Et puis donc ces petites lumières sur le toit. Voilà, le symbole Decepticon sur le côté. Alors, le véhicule roule parfaitement. Rien à dire à ce niveau-là, quelques petits grincements, mais bon, voilà, rien de bien méchant. Donc, il fait son taf, hein, et plutôt bien. Donc, voilà, tout ce qu'il faut pour un véhicule de cet acabit. Donc vraiment, je le répète, hein, une superbe pièce que voilà. Petit comparatif justement entre mon MP10 Optimus Prime et mon K.O. MP10B Nemesis Prime. Voilà, donc quasiment et rigoureusement identique. Alors, les petites choses qui vont changer, c'est très simple, ça va aller très vite. Sur la version d'origine Hasbro d'Optimus, donc, nous avions les essuie-glaces qui étaient moulés directement sur cette partie-là.
donc ce qui pour moi donc était un gage de sécurité. Sur la version Keo, les essuie-glaces sont, sont indépendants, ils ont été rajoutés, et donc j'ai peur qu'avec le temps, ces derniers puissent casser ou céder. Donc à vérifier. Heureusement, je ne vais pas trop le manipuler de toute façon. Autre chose qui change, bon, bien entendu, hormis la couleur noire et puis la bande verte foncée au lieu de la bande argentée, c'est que nous avons le logo qui là est simplement une sorte de stickers, de tampons appliqués à même la peinture, alors que sur le MP10 Optimus, nous avions vraiment un stickers en 3D. Voilà, donc c'est ce qui va changer essentiellement donc sur ces deux versions-là. Sinon, pour le reste, nous avons deux versions sensiblement identiques. Alors, on va faire voilà, une petite réduction de l'image. Et voilà un petit peu donc pour nos deux pépères. Et ce Nemesis, donc, pour lequel je suis vraiment très très fier de le posséder enfin dans ma collection. Voilà, donc après avoir étudié sous toutes ses coutures notre Nemesis Prime dans son mode alternatif, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, nous allons commencer par dégager les réservoirs d'essence et les replier sur le côté comme ceci. Ensuite, vous allez séparer ce qui va venir former les jambes, vous déclipsez également les pieds, vous les faites coulisser aux extrémités. Ensuite, vous faites un demi-tour de la figurine, vous prenez ces parties-là, ces panneaux, vous les faites basculer de façon à ce qu'ils viennent englober, voilà, et masquer les roues sur les côtés. Même opération ici. Voilà. Ensuite, vous avez ces petites gâchettes ici. Donc, vous appuyez de façon à venir déloquer la jambe, comme ceci. Et, comme cela. Lorsque c'est fait, nous refaisons pivoter notre ami Optimus. Et là, vous allez prendre les panneaux qui se trouvent sur les côtés et les rabattre par-dessus, comme ceci. Nous pouvons sortir les pieds et les talons. Et voilà déjà cette partie-là de transformer. Ensuite, nous passons ici. Vous allez venir déclipser donc les pièces du pare-choc, les feux. Ensuite, vous faites basculer ça comme ceci vers le bas. Vous ouvrez ensuite ces parties-là. Nous sortons ce qui va former le cucu, la tête-tête de Nemesis. Ensuite, vous prenez ces pièces-là, voilà, qui vont former donc les bras. Vous sortez complètement ces derniers. Vous rabattez ce petit panneau-là, comme ceci. Vous étirez pour former l'avant-bras. Même opération pour ce côté-là. Alors, hop, hop. Voilà. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la soulevez et vous venez la rentrer à l'intérieur, comme ceci. Nous avons donc le logement de la matrice qui se trouve juste en dessous. Vous rabattez ça comme ceci.
Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous faites un demi-tour, comme ceci, et vous venez rabattre le tout. Vous déloquez juste en dessous et vous venez placer le tout dans l'alignement. Ce qui doit vous donner ce résultat-là. Ensuite, vous venez rabattre les vitres avant. Nous passons à l'arrière. Vous prenez ces parties-là, vous les plaquez le long juste ici. Et vous n'oubliez pas de rabattre ces pièces-là vers l'intérieur. Voilà. Comme ceci, et comme ceci. Dernière opération, une rotation du bassin. Voilà, l'essentiel est à présent transformé, plus qu'à passer aux mains. Vous abaissez ces panneaux-là, vous faites une rotation de cette pièce-là, vous reclipsez, idem ici, hop, hop et hop, et voilà, ladies and gentlemen, Nemesis Prime, Henkei, et admirez cette superbe petite merveille, absolument saisissant, cette couleur noire glossy encre de Chine lui va à merveille, une véritable petite tuerie. Alors je vais essayer de faire tout de suite pour commencer une mise au point et un gros plan sur son visage, que l'on puisse admirer ce dernier à sa juste valeur. Donc voilà un petit peu donc pour le visage de Némésis, hein, qui était absolument bien entendu identique à celui d'Optimus, mis à part donc le regard éteint. On se rappelle tous bien entendu qu'Optimus a des yeux bleus. Un petit peu donc pour le visage. Et puis donc pour tous les éléments qui viennent habiller ce dernier de fort belle façon. Admirez juste le résultat. Il en impose. Vraiment un superbe petit pépère sous toutes ses coutures. Il est tout simplement magistral. Alors nous retrouvons également, tout comme le MP10, le petit gimmick juste ici où nous avons la possibilité donc de pouvoir y loger le blaster d'Optimus. Hop. Donc blaster qui se compose comme ceci et qui, une fois déclipsé, voilà, ressemble donc trait pour trait au blaster d'Optimus et de Némésis par la même occasion. Et voici notre ami Némésis Prime, blaster en main, voilà, prêt à affronter son alter ego. Juste du tonnerre. Il est super beau, purée. Alors, en termes d'articulation, nous avons la tête avec une rotation à 360 intégrale. Nous pouvons également
monter et baisser cette dernière. Donc jusque là, pas de souci. La pub Dove, il l'assure plus ou moins. Voilà ce que ça donne donc au niveau de l'amplitude des bras. On peut toujours lui faire des guilis-guilis quand même. Nous avons donc une rotation intégrale, bien entendu, du bras. Nous avons une rotation également complète de l'avant-bras. Nous avons une articulation qui permet, voilà, une pliure du coude intégrale. Nous avons la main qui est, voilà, orientable. Et dont l'index est individuellement articulé. Et les autres phalanges, donc les trois autres phalanges, sont soudées entre elles, mais peuvent également donc se plier. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne les mimines. Donc nous avons ensuite, voilà, le bassin qui pivote. Nous avons, voilà, la pub JCVD, pas de souci, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Alors les cuisses sont sur ratchet, hein, comme vous pouvez l'entendre. Nous avons également donc la possibilité de pivoter le haut de la cuisse comme ceci. Nous avons une articulation sur ratchet également pour l'articulation du genou. Et ensuite, donc, vous avez donc le pied que l'on peut incliner, lever, baisser, et également donc une articulation au niveau de l'extrémité du pied et du talon. Voilà, donc largement de quoi lui assurer des poses héroïques et épiques. Donc on peut s'amuser sans souci avec cette petite beauté. Et petite chose aussi que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que vous avez bien entendu de fourni dans le packaging la hache d'Energon de Nemesis Prime. Voilà. La même que pour Optimus, mais simplement d'un coloris différent. Plus adapté donc au rouge du Nemesis. Et comme tout Prime qui se respecte, nous allons pouvoir à présent jeter tout de suite un œil sur la chambre de la matrice. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à bien l'apercevoir. Elle est juste ici. Tout en diecast. Alors je vais voir si avec mes mains pleines de doigts je peux réussir à l'extraire pour vous la montrer de plus près. Donc voilà un petit peu cette petite matrice extrêmement bien réalisée, donc avec un cristal vert à l'intérieur. Voilà un petit peu, donc toujours agréable de retrouver ça donc dans sa petite version. Et on peut jeter par la même occasion un petit coup d'œil sur les détails intérieurs de la chambre de la matrice, donc qui sont tout aussi bien réalisés que pour la version Optimus. Mais par contre, là encore, comme vous pouvez le constater, toute la partie silver, juste ici, est pleine de micro-rayures, comme tout le reste du véhicule. Voilà, et ça, je trouve ça vraiment très dommage, parce que mon Optimus, qui a quand même maintenant plusieurs années, est super propre, pas un seul pet, pas un seul rayure, pas une seule égratignure ou éraflure. Et lui, qui est tout neuf et que je transforme seulement, bah, c'est la deuxième fois que je le transforme, bah voilà, on remarque qu'il est plein de rayures partout au niveau des chromes. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point vraiment négatif de ce Nemesis Prime. Hormis cela, vraiment tout le reste est excellemment réalisé, il faut le reconnaître. Et dernière petite photo réunissant donc mes deux Prime, Optimus and Nemesis. Yeah!
dans l'espoir, bien entendu, de pouvoir posséder un jour la version Ultra Magnus. Et dernier petit comparatif entre deux versions de Nemesis Prime en ma possession, donc à savoir le Toy World Orionville, donc en hommage au Nemesis Prime tiré du comics et de la série IDW, et bien entendu donc notre MP10B KO Nemesis Prime. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers du jour consacrée à ce plutôt pas mal et pas mauvais, donc Nemesis Prime MP10B KO. Voilà, donc commandé sur le site tfdirect.com, voilà, n'hésitez pas si vous voulez le trouver. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et faites-vous plein de gros bisous et de gros câlins. Allez, bonne fin de week-end les amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Gloire au grand Némésis. Et fuck à toutes les rayures que t'as sur tes chromes. Espèce d'enfoiré. Tu n'as qu'à pas acheter de KO en même temps. Oui, ça, c'est pas faux.